Le dernier quart d'heure de Smart, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui des actions européennes avec l'idée de plonger un petit peu dans la, la dynamique des marchés d'actions en Europe à travers l'été pour faire un état des lieux de rentrée comme le veut la tradition. Et c'est Roland Caloyan qui est à mes côtés en plateau, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonsoir Roland. Bonsoir Merci beaucoup d'être là. J'essaie effectivement à chaque rentrée de, de dresser un état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé ou pas. À L'été, et c'est vrai qu'un constat s'impose quand on parle des actions européennes et quand on regarde les actions européennes, le marché d'action en Europe d'un point de vue indiciel en regardant des indices larges comme le stock 600 que, que vous suivez euh, évidemment euh, qui apporte une lecture peut-être euh, partielle ou euh, tronquée peut-être de la dynamique des marchés, mais qui est quand même un baromètre toujours important à suivre. Quand on prend ces indices larges, le constat qui s'impose c'est que le marché européen semble comprimé entre deux forces opposées et pas juste juste depuis euh, cet été. Le stock 600, vous l'écriviez vous-même dans une note fin août, euh, Roland, ne fait plus rien ou quasi plus rien depuis février ou mars. Oui. <laughs> Comment on explique cette situation qui dure hein, quand même plusieurs mois de... Alors, c'est une logique de range indiciel. Hein, c'est oui. ça. Euh, techniquement, c'est comme ça qu'on appelle. On a des bornes de fluctuation, un canal de fluctuation avec des bornes hautes et basses qui sont bien identifiées, dont on ne sort quasiment pas. Donc, depuis euh, près de six mois maintenant, c'est vrai que ça dure. Oui, effectivement, il n'y a, a pas de tendance dans les marchés actions européennes, en tout cas quand on aura les grands indices. D'ailleurs, les grands indices sont importants parce qu'il y a la gestion passive des ETF, évidemment. Hein, beaucoup, euh, on connaît un grand succès, donc beaucoup sont investis sur les, sur les ETF et se laissent porter par le marché. Donc, euh, il ne faut pas sous-estimer aussi euh, l'aspect indiciel, hein, ça c'est assez important. Euh, si on, déjà, on regarde, euh, pour qu'un marché monte, soit il faut que les multiples, la valorisation... Euh, monte, soit il faut que les bénéfices montent. Donc il faut un des deux moteurs. Et euh, nous on a fait le constat assez rapidement que, ben, en termes de valorisation le marché était bien valorisé euh, dès le mois de février. Et en ce qui concerne euh, les, les perspectives sur les bénéfices, euh, on avait une croissance euh, déjà plutôt bonne et voire euh, par rapport à ce qui est attendu, on pourrait être légèrement, légèrement en baisse. Donc aujourd'hui, on a 0% de croissance attendue pour 2023. On a un marché qui se traite sur des multiples euh, relativement corrects, surtout quand on compare au taux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une alternative. On se souvient de « there is no alternative », où on disait « il n'y a pas de taux, on n'a rien, sur, le, on a rien sur, le, sur les marchés euh, ». Sur les marchés de taux, on avait des taux à zéro et donc on achetait des actions et on ne regardait pas forcément les valorisations. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une alternative. Il y a des taux avec des rendements très, très intéressants, la partie courte, la partie longue de la courbe, euh, obligataire, privé comme public. Et donc, euh, effectivement, on trouve que le marché bah, pour continuer à grimper. Ça commence à être compliqué. Si on regarde sous la surface ou si on regarde peut-être de manière un peu plus euh, fine euh, la situation, parce qu'il se passe toujours quelque chose évidemment sur un marché. Dire qu'il ne se passe rien depuis Mars, ça accroche, mais la réalité c'est quand même qu'il y a des mouvements notamment de rotation euh, sectorielle. Euh, et vous l'écrivez vous-même, ce n'est pas parce qu'un marché est à plat depuis plusieurs mois. Que ça empêche d'avoir des convictions et des convictions euh, d'un point de vue sectoriel, euh, notamment euh, Roland. Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois dans les convictions que vous portez, que vous apportez à vos clients euh, sur les actions européennes On a fini l'année 2022, on a commencé l'année 2023 avec une sous-valorisation sur le compartiment cyclique. Euh, cette sous-valorisation, maintenant, elle n'existe plus. On a, on est, on a neutralisé euh, quand on regarde en termes de valorisation par rapport à longue période entre les cycliques et les défensifs. Et ça, c'est un point très important, en particulier dans la gestion active, parce que si on avait commencé l'année avec un portefeuille trop défensif, euh, avec des valeurs défensives, euh, euh, des staples, des valeurs à faible bêta, etc., euh, on avait effectivement raté, en particulier. Euh, comme on disait, c'était la performance de l'année, c'est fait vraiment sur les premières semaines. Donc il fallait avoir vraiment euh, une exposition euh, plutôt plutôt cyclique. Depuis, c'est beaucoup plus contrasté. Euh, on voit même sur, durant l'été, hein, on a des cycliques qui ont bien fait, mais des défensifs qui ont bien fait, euh, le pharma, euh, les financières, quelques industriels. Et puis euh, on a vu euh, les métaux, etc., des, des secteurs aussi cycliques qui ont mal fait. Donc on voit que c'est beaucoup plus euh, disparate et il y a moins cette logique de cyclique défensif. Euh, euh, depuis euh, depuis quelques quelques mois. Et du coup, euh, quel type de, de, de positionnement ou de balancement vous recommandez aujourd'hui dans une stratégie action euh, européenne où sont vos convictions puisqu'on peut avoir des convictions dans ces marchés Renji euh, Roland. Oui, alors après nous nos convictions euh, enfin le, le on va dire l'équilibre de portefeuille euh, a changé à partir de juin. Alors, on était euh, comme je disais plutôt procyclique euh, cyclique sur les 12 mois précédents et euh, en juin, on a commencé à neutraliser donc c'est vrai qu'aujourd'hui on, on a un meilleur équilibre entre euh, le compartiment cyclique et défensif mais je précise, on ne recommande pas d'avoir un portefeuille 100% défensif. Il est trop tôt. Euh, la récession, on a vu encore les derniers chiffres d'emploi aux États-Unis, ce n'est pas pour demain. Donc euh, attention à être trop défensif trop tôt. Ceux qui l'ont été au début de l'année savent quelque chose. Et euh, nous. Là où on trouve encore un petit peu de valeur, c'est sur les secteurs qui sont complètement délaissés, sur le compartiment value. Il euh, y a des secteurs qui se traitent sur des niveaux euh, récessifs. Euh, c'est le cas de l'automobile, par exemple. C'est un secteur qu'on aime beaucoup. Euh, les résultats sont bons. Euh, et d'ailleurs, c'était un des meilleurs secteurs euh, oui. euh, jusqu'à l'été. Là, il y a eu une petite correction. Voilà. C'est un plus 15, plus 20 pour le secteur auto oui. en Europe. C'est oui. cet ordre-là, hein oui. oui. Donc ça, c'est un secteur qu'on continue de, de, de pousser très fort et, et qu'on avait depuis le début d'année même face à la sur le secteur auto échec on en parle régulièrement les gros titres du moment c'est la vague chinoise électrique etc même les constructeurs chinois prennent même des parts de marché aux allemands sur leur marché chinois etc d'un point de vue de l'investissement boursier quand on regarde tout et qu'on fait la, la somme des, des choses vous dites c'est un secteur en europe en bourse qui a encore du potentiel oui parce que les résultats ont été très bons. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, il, il y a seulement une voiture sur 4, 5 qui est une voiture électrique qui se vend. Ça veut dire que 3 voitures sur 4, 4 voitures sur 5, c'est encore des voitures à essence. Et là, les constructeurs européens sont plutôt encore bien placés. Il euh, y a un carnet d'ordre qui est rempli. Ça ne faut pas oublier que pendant des mois et des mois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommateurs, en particulier en Europe, ont attendu leur voiture. Donc ça, ça veut dire qu'il y a encore une bonne visibilité sur les carnets d'ordre. Il euh, y a la valorisation qui est vraiment au tapis. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur des multiples proches de crise ou de récession déjà. Donc, Vraiment, le marché reflète mmh. des craintes très élevées. Et, et, et voilà, et les résultats, le dernier résultat, ont encore, ont encore été très bons. Et, et je, je précise aussi sur, les, euh, sur le secteur, parce qu'il a changé aussi quand on regarde un petit peu les, les différentes marques et les différentes valeurs. La, la moitié du secteur aujourd'hui, c'est plutôt des marques premium. Alors il y a Ferrari, évidemment, mais vous avez Porsche. Euh, vous avez ouais. euh, Mercedes, BMW. Enfin, voilà. Euh... En Regarde du poids que ça représente dans le secteur. Vous dites, c'est un secteur qui s'est quand même considérablement premiumisé. Exactement. Ouais. Exactement. Alors que, effectivement, la concurrence chinoise va venir d'abord sur l'ivy et ouais. aussi sur les mass market, surtout. Ouais. Si le risque c'est pas la récession ou tout de suite, en tout cas ce que vous disiez, attention, on rebalance un peu vers le défensif, mais il ne faut pas se mettre euh, tout de suite à jouer une récession imminente euh, demain aux États-Unis ou, euh, ou en Europe euh, d'ailleurs, euh, Roland, est-ce que le risque à l'inverse ça peut être des banques centrales et notamment en Europe face à une inflation qui serait encore et toujours plus persistante que ce qu'on imagine des banques centrales la BCE qui ne s'arrêterait pas à 4 de taux de dépôt final comme il y aura peut-être sans doute d'ici la fin de l'année mais plutôt à 5 ce sont les questions que vous posez vos clients aujourd'hui si les taux en Europe vont à 5 est-ce que le marché est prêt la réponse est non <laughs> en termes de valorisation, et on le voit bien depuis le début d'année, et c'est un petit peu d'ailleurs les, les leçons de cet été, c'est-à-dire que le mois d'août nous a rappelé que les taux ça compte dans la valorisation, et quand on a fait un petit un nouveau plus haut. Tout de suite, on a vu un décrochage euh, des indices, un décrochage des belles valeurs de croissance qui ont tiré vers l'indice vers le bas. Donc oui, les taux, on va surveiller cela évidemment. Et donc quelque part, c'est pour ça que je dis que le, marche, le marché est pris entre euh, le marteau et l'enclume quelque part parce que euh, d'un côté, on a la récession et ça, c'est pas bon pour les bénéfices. Mais de l'autre côté, si les taux continuent à monter, c'est pas bon pour les multiples. Mmh. Donc là, effectivement, on, ça explique pourquoi effectivement depuis, euh, depuis quelques, quelques mois, bah, le marché est dans un tunnel. Ouais. Et quand on fait les maths sur l'idée d'un taux de dépôt baissé à 5%, qu'est-ce que ça donne De combien est-ce que le marché européen se retrouverait euh, surévalué dans, dans cette configuration-là euh, qu'il ne faut pas écarter hein oui, on, on, a, on a modélisé, on a modélisé un, un, un taux à 5%, on arrive sur une correction entre 13 et 19%. Bon, ça, va, ça va dépendre, ouais, ouais, évidemment, comprends. de beaucoup de paramètres. Ouais. Mais euh, voilà, on communique sur une quinzaine de pourcents, si on veut faire un chiffre ouais. médian, une quinzaine de pourcents de, de baisse. Ça, c'est si, évidemment, les taux euh, montent parce que la BCE va plus fort ou euh, qu'il y a, une, qu y a, y a un gros, une grosse panique sur le, sur le marché obligataire. Mm. En termes de, de perspectives bénéficiaires, euh, alors il y, y a eu quand même un momentum de, de, de bénéfices évidemment euh, particulièrement fort ces, ces derniers trimestres. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue des résultats du deuxième trimestre et tout le monde est déjà en train de peaufiner peut-être même ces prévisions 2024, les outlooks vont bientôt euh, arriver. Donc quelle est la perspective que vous pouvez dresser pour 2024 du point de vue de la dynamique des bénéfices des entreprises en Europe on sort d'un trimestre euh, de, des résultats qui est plutôt bon, on a eu plutôt des bonnes nouvelles, mais effectivement, sur les guidance 2024, euh, c'est plutôt prudent. Et on voit bien que les chiffres ont été révisés à la baisse, la croissance euh, pour 2023 a été révisée euh, légèrement à la hausse, mais la croissance 2024 a été révisée à la baisse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, et nous, on a communiqué beaucoup là-dessus, euh, parce qu'on parle beaucoup des bénéfices et des résultats, mmh. mais quand on regarde le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, c'est les volumes et les prix. L'inflation baisse, l'inflation baisse donc c'est une baisse généralisée des prix et donc ça se reflète aussi dans les, dans les revenus. Et donc, au niveau des revenus, c'est beaucoup plus balancé qu'au niveau euh, des résultats. Euh, sur le dernier trimestre, on a vu autant de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Donc, ça, c'est aussi pour moi une des grandes conclusions de, de, de ce trimestre c'est que la baisse de l'inflation euh, risque de mettre pression aussi les, les résultats. Est-ce que les entreprises, est-ce que vous observez? Dans des secteurs, euh, un retour de flamme qui va être peut-être violent pour des entreprises qui ont eu des, des comportements de prix agressifs, qui ont profité après des années de déflation, de désinflation en Europe. Hein, il faut toujours le, oui. le rappeler. Il y a eu un moment d'opportunité extraordinaire. Euh, on parle de surprofit dans quasiment tous les secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont être plus sensibles que d'autres à, à ce retour de, de flamme, d'une certaine manière, de, de l'inflation, si elle continue de, de baisser, euh, Roland euh, moi, je, moi, je, je suis plus inquiet sur les valeurs euh, sur lesquelles le marché euh, oublie qu'il a une cyclicité. Euh, je donne un exemple, et, mais ça va aussi dans le pricing power, c'est le, le, le secteur du luxe, par exemple. Euh, je trouve que c'est un secteur qui a été très porteur, euh, évidemment, qui, qui, qui cochait beaucoup de cases, des beaux bilans, du pricing power, etc. Et euh, aujourd'hui, on se traite sur des multiples euh, très très élevés. Et je pense effectivement, et surtout avec le news flow qu'on a de la Chine, que c'est pas un secteur qui est complètement immunisé d'un ralentissement économique. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres aux États-Unis, ça commence à être un peu moins bien. Et ce qui m'inquiète, parce que ça reste quand même un secteur de croissance, c'est les multiples avec lesquels on les paye. Donc, ça, voilà, c'est un secteur sur lequel, effectivement, aujourd'hui, je suis, je suis plus inquiet. Et c'est un secteur qui a bien bénéficié de, 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 de hausses de prix. Bon, on l'a vu à travers l'été, hein. au fur et à mesure qu'on s'inquiétait pour la Chine, on a vu le secteur du luxe en Europe caler un peu, effectivement. Oui. Merci beaucoup Roland, merci, merci pour votre éclairage sur la situation des marchés d'actions en Europe et ces éléments de stratégie que vous recommandez à vos clients aujourd'hui. Roland Calon, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, qui était avec nous l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.